tu t'en vas? Ouais, je me sens pas vraiment à l'aise de rester quand Marie-Ève est pas là, surtout avec Jordan. Non, vous allez retrouver votre vraie chambre. Tu vas revenir? À moins que ma blonde m'ait déjà remplacé. As-tu de ses nouvelles depuis son arrivée à Cuba? Oui, elle m'a envoyé un courriel, elle est arrivée à son hôtel, le soleil brille, les mojitos sont bons, tout va bien. C'est juste un petit voyage d'une semaine. Non, je sais, je vais en profiter pour retourner à mon appartement pendant que Lucille et Robert sont partis en bateau. Chanceux. Je pensais qu'ils vous avaient invité. Ben oui, mais je peux pas partir cette semaine, j'ai des choses à régler. Vous avez pu passer du beau temps avec le beau capitaine Lambert. Arrête donc. Le capitaine est bien gentil, mais ça sera pas long qu'il va se rendre compte qu'avoir une amie accusée de meurtre, pas très romantique. Je suis sûr qu'il est capable de voir au-delà de ça. De toute façon, ça me donne rien d'entreprendre une nouvelle relation. Mon procès s'en vient. Une semaine d'enquête préliminaire. Ça se demandait ce qu'un procès peut apporter de plus. C'est au procès que je vais apporter mes preuves pour vous défendre. Me défendre? Après tout ce qui a été dit, bonne chance. Vous êtes d'abord accusé de voies de fait et d'agression armée. Et de meurtre au deuxième degré. Oui, mais on sera jamais sûr à 100% que les ossements trouvés sont bien ceux de votre mari. C'est là que le doute raisonnable joue en votre faveur. Je vais plaider la légitime défense, le fait que les experts en balistique n'ont pas pu faire de lien avec le fusil trouvé chez Monique. Je continue de croire que je peux vous faire acquitter, moi. Oh, c'est sans doute Marie-Ève. Allô? J'aimerais parler à Mme Beauchamp, s'il vous plaît. Oh, un instant. Je pense que c'est votre détective. Allô?